Le temps demandé les frérots, enfin il est là, je vais vous faire le build que vous attendiez tous depuis très longtemps. Je vais tout vous expliquer de A à Z, comment je fais mes 1vx justement sur toutes mes vidéos PVP. Vous vous en doutez, cette vidéo sera pour tous les Français, j'ai déjà fait la version anglaise, là on sera sur une version française. Je vais vous expliquer comment jouer avec votre hachette et votre lance, quels sont mes gears, mes stuffs. Mes compétences, je vais faire le leveling de mes compétences, donc si vous êtes niveau 1, 5, 10, que vous venez de commencer New World, vous allez pouvoir vous y retrouver sur ce guide. Je vais tout vous expliquer, tout ce dont vous avez besoin au niveau des gemmes, au niveau des améliorations, des équipements. C'est parti les frérots, on est parti pour tout dégommer. Ok, donc on va directement passer aux équipements. Donc dans un premier temps, vous allez vouloir mettre résilience sur toutes les pièces, hein, vous en doutez bien. J'ai mis résilience sur toutes les pièces, ici, ici, sauf ici, puisque en fait, j'ai aussi besoin de coups de pied franc, et comme j'ai pas d'autres pièces d'équipement qui me donnent à la fois coups de pied franc et coups critiques, en second temps, évasion régénératrice est très bien. Je dirais juste que résilience est quand même un cran au-dessus, puisqu'actuellement, la part des joueurs font des dégâts coups critiques, même plus élevés qu'à la normale, donc vous voulez spammer les résiliences sur toutes vos pièces d'équipement, autant que vous pouvez. Donc donnez priorité à résilience à la place d'évasion régénératrice. Et si vous pouvez vous permettre d'avoir évasion régénératrice en troisième place d'équipement, prenez évasion régénératrice. Donc voilà, donc ce que vous allez vouloir faire, c'est pareil, un pic affaiblissant, résilience sur toutes les pièces, vous allez vouloir le coup de pied franc qui est juste là. Et si vous jouez avec le ravage, là, les trois coups de pic, ce que vous allez vouloir faire aussi, donc ça sera sur ma botte qui est voilà, juste ici, perforation fortificatrice. Si vous voulez jouer avec ça à la place de coup de pied franc, vous pouvez très bien le faire. Le problème de coup de pied franc sur les bons joueurs, c'est qu'en général, le coup de pied qui stun, la part des bons joueurs vont l'esquiver. Le seul moment où vous allez pouvoir placer un coup de pied franc, c'est soit parce que vous l'aurez pris pour un con, donc vous l'aurez bait le joueur, ou parce que justement il n'aura plus d'endurance. Et quand il n'a plus d'endurance, voilà, vous avez pris l'avantage, vous avez attendu qu'il soit out of stamina pour faire votre stun. Mais le problème, c'est qu'il est très compliqué à placer ce coup de pied. Donc moi, je vous invite quand même à faire perforation fortificatrice qui va vous donner quand même quasiment 30% de résistance pendant 6 secondes lorsque vous allez mettre les 3 coups, même si quand même c'est assez facile à esquiver, ça fait quand même toujours plaisir et je pense que c'est une compétence qui est bien plus adaptée à faire ce que moi je fais sur mes 1vx que le stun. Donc voilà, je vous conseille de prendre perforation fortificatrice si vous jouez avec ou coup de pied franc pour le stun. Ensuite, c'est vraiment secondaire, vous pouvez aussi jouer avec la rage intense comme vous pouvez voir sur le bob qui est doré à la place d'une pièce d'équipement. Par contre, le problème de rage intense, c'est qu'il est intéressant, mais ça se déclenche qu'à partir de 50% de vos PV. Donc il faut à la fois que rage soit enclenché et que vous soyez en dessous de 50% de santé. Si vous n'avez pas ces deux conditions appliquées, le passif de 14% de chance de coup critique n'est pas actif. Donc moi, comme je préfère quand même pic affaiblissant qui me donne 14% de nullification des dégâts de vos ennemis, pendant 8 secondes, voilà, je crache pas dessus, je préfère bien plus que ça qu'une augmentation de 14% de chance de coup critique. Donc voilà, donc vous voulez ça. Voilà, c'est la seule perk hachette que vous voulez, c'est celle-ci. Vous voulez pic affaiblissant, coup critique flanc, et ensuite le pic fortificatrice, la perforation fortificatrice, le reste c'est très secondaire. Vous pouvez très bien prendre aussi le balayage de saignement, là, qui se trouve juste ici, je vais vous le montrer. Hop. Vous pouvez très bien prendre balayage de saignement qui est sympathique, mais c'est uniquement si vous pouvez vous le permettre, quoi. C'est pas prioritaire, quoi. Voilà, c'est vraiment pas prioritaire. Ce que vous pouvez prendre aussi comme compétence, ça sera aversion physique ou aversion élémentaire qui reste très intéressant. Il y a beaucoup de joueurs en PvP qui nous défoncent à distance avec ce genre de build. On est un build de corps à corps, donc on veut aller au corps à corps, hein, forcément. Et le temps qu'on gappe, justement, du point A au point B, le corps à corps de l'ennemi, on va forcément se prendre des coups à distance. Donc aversion physique et aversion élémentaire reste très intéressant. Après, je vous invite à attendre que le patch 1.3 sorte pour aller farmer dans les donjons mutations, pour aller choper les nouveaux équipements qui ont des résistances élémentaires qui seront plus intéressants que aversion physique et élémentaire. Mais si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aussi bien les prendre, mais pour moi ça sera vraiment très secondaire. Si on doit faire l'ordre de priorité, pour moi ça sera résilience, la perk pour l'amélioration de vos sorts d'armes, donc par exemple pic affaiblissant, et en troisième ça sera réduction du temps de recharge sur les esquives, donc c'est voilà, évasion régénératrice. Et si vous n'avez pas accès à évasion régénératrice, seulement là vous prenez les résistances. Maintenant on va parler à propos des armes. Pour les armes, je vous donne l'ordre de priorité. Vous voulez cruauté, donc cruauté c'est celui qui augmente les dégâts au niveau du dégât critique. Ensuite, vous voulez chapelet de feu
ou la nouvelle perk qui va sortir qui s'appelle l'harmonisation ignée, qui va augmenter de 15%, qui va tout simplement rajouter 15% de dégâts de feu par rapport à vos dégâts d'armes, qui sera supérieur au chapelet normalement, j'imagine. Et ensuite, justement, bah, chapelet, et après chapelet, vous pourrez prendre fougue, mais par contre, pour la hachette, je préfère quand même fougue à un chapelet, par exemple. Si vous pouvez faire fougue, cruauté, plus harmonisation ignée qui va sortir, je pense qu'au prochain patch, ça sera le top pour votre hachette. Maintenant, si vous voulez du vol de vie pour être un peu plus à l'aise en combat, parce que vous avez beaucoup de dégâts, et vous avez fait une variante de mon setup qui fait beaucoup de dégâts, alors je vous invite à mettre du vol de vie, parce que au plus vous ferez de dégâts, au plus vous allez voler de vie. C'est du bon sens. Et pareil pour la lance, par contre cette fois-ci, fougue, je trouve que c'est moyen intéressant, vous régénérez quand même moins d'endurance avec beaucoup critique. Donc je vous conseille quand même plus de mettre sur celui-ci. Pour celui-ci, je vous invite à faire cruauté salement amoché, qui va mettre lorsque vous faites des coups critiques, vous allez mettre une dot, donc des saignements pendant 10 secondes, qui va vous permettre de déclencher les passifs de la lance, qui vont augmenter vos chances de coups critiques de 15% sur un ennemi affecté par ces saignements, qui va déclencher tous les passifs d'augmentation de dégâts de la lance. Et en troisième position, ça sera chapelet de feu, et à la place de chapelet de feu, harmonisation ignée quand ça sortira pour le patch 1.3. Donc voilà, ça serait mon top build pour manipulateur pour la lance. Et je vous invite aussi, si vous avez le choix et vous n'avez pas, enfin justement, si vous n'avez pas le choix de choisir salement amoché, vous pouvez aussi prendre le truc qui augmente de 15% vos dégâts lorsque vous faites des coups critiques. C'est très très bien, mais je préfère quand même salement amoché, qui à la fois rajoute une dot, qui à la fois enclenche les passifs de la lance, et qui en plus de ça, ouais voilà, c'est juste énormément de DPS, donc c'est quand même plus plutôt pitop comme on dit. Maintenant, enfin, il y a que moi qui dis ça. Ensuite, on va passer au bijou, c'est parti. Donc pour le bijou, moi je vous conseille directement d'avoir santé maximale. Vous voulez santé maximale, c'est tout con. Je vais vous donner les trucs prioritaires. Santé maximale sur l'amulette. Vous voulez le conscience aiguë prioritaire sur votre anneau, et pour votre bijou, pour votre boucle d'oreille, vous allez vouloir boisson rafraîchissante. Voilà, ça sera les trois trucs prioritaires. Le reste, c'est secondaire. C'est ces trois trucs que vous voulez. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ce que vous allez vouloir faire, c'est les stocks. Les stocks est très intéressant au niveau des résistances, puisque la part des joueurs joue avec des dégâts des stocks. Actuellement, sur le jeu, la moitié des armes sont des dégâts des stocks quasiment. Vous avez la lance qui fait des dégâts des stocks. Vous avez la mousquet qui fait des dégâts des stocks. Vous avez la rapière qui fait des dégâts des stocks. Vous avez l'arc qui fait des dégâts des stocks. En OPR, en déferlante, la plupart des joueurs jouent avec ces armes. Donc vous voulez la résistance aux dégâts des stocks. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des résistances aux dégâts de taille, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui mettent des dégâts de taille. Ou si vous vous faites ruiner par les joueurs en gantelet de glace, parce que ça va être aussi un de vos points faibles sur ce build, ça sera les joueurs gantelet de glace, peut-être potentiellement mettre des résistances aux dégâts de glace. Ça peut être intéressant. Mais l'avantage des dégâts des stocks, c'est beaucoup plus polyvalent. Ensuite, en troisième, je vous conseille de mettre récupération de vitalité. Donc c'est le truc qui va vous permettre de récupérer de l'endurance complète lorsque justement vous êtes en dessous de 50% de PV. Regardez, elle est juste là. Elle est, voilà, récupération de vitalité est très intéressante. Et à la limite, moi j'aime bien aussi purification. Les deux sont très bien, c'est à vous de tester. Celle-ci m'a de temps en temps sauvé, alors que celle-ci, elle me permettait d'avoir quand même des 1vx un petit peu plus confortables, je dirais. Ou des fois, bah, je me retrouvais à plus avoir de stamina, les mecs me drop à 50%, hop, on est reparti pour 3 roulades. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, pour l'anneau, c'est vous pouvez mettre vigueur, conscience aiguë, mais vous pouvez aussi très bien mettre conscience aiguë avec ponction, qui va vous donner justement, encore une fois, 5% de vol de vie. Actuellement, si vous avez un build avec beaucoup de dégâts, si vous mettez conscience aiguë plus ponction, plus votre hachette en vol de vie, vous allez tout simplement être un sac à vol de vie. Ça va être horrible. C'est-à-dire que 10% de vol de vie sur vos dégâts d'une hachette, une hachette en PVP, ça met entre 1k1, 1k2 à 2k crit sur vos coups d'hachette. Ça peut monter même jusqu'à 2k5, 2k6 si les joueurs en face sont fragiles. Donc dites-vous bien que vous healez d'environ 2000 points de PV, donc 10% de ces 2000 points de PV, 10%, ça équivaut à 200 PV. Imaginez-vous un coup d'hachette qui va aussi vite que ça. Regardez, Shang Xing, voilà, vous venez de vous healer à 400 points de vie en deux coups d'hachette qui vont très rapidement. Surtout qu'en plus, les deux premiers coups d'hachette sont les plus rapides. Donc c'est super intéressant de mettre justement cette ponction et couplée au vol de vie. Donc ensuite, vous pouvez très bien mettre vigueur, conscience aiguë si vous n'avez pas accès à ponction. Mais moi, je vous inviterai quand même à prendre conscience aiguë avec ponction à la place de vigueur, puisque actuellement, vous n'avez pas besoin d'avoir vigueur, puisque vous avez déjà
les 150 de dextérité, donc le truc qui vous permet de réduire le coût de vos roulades. C'est secondaire, je dirais, vigueur, mais ça reste très très bien, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'est moi ce que je vous conseille. Dans le meilleur des mondes, vous voudrez conscience aiguë, ponction et vigueur, ou à la place de vigueur, peut-être celui qui augmente le... C'est à quoi comme truc intéressant? La réduction de temps de recharge sur vos roulades. C'est vous qui voyez, vigueur plus à l'aise au niveau de votre endurance, alors que temps de recharge, bah forcément plus de sorts. Voilà. Ensuite, pour la boucle d'oreille, pour moi c'est boisson rafraîchissante, régénération de santé ou régénération d'agilité. Si vous avez déjà pas mal de points de vie, si vous passez en 150-200, régénération de santé c'est pas super intéressant. Je pense que vous aurez mieux fait d'aller sur de la régénération d'endurance de 10%, si je me trompe pas, c'est 9,5% exactement. Ou à la place de ça, vous pouvez aussi mettre potion purificatrice. Lorsque vous buvez une potion de régénération uniquement, donc c'est ces potions-là, vous retirez justement un affaiblissement. Et en l'occurrence, si vous êtes immobilisé, bah ça peut être intéressant puisque vous allez retirer l'immobilisation justement d'un root, d'un gantelet du vide, d'un gantelet de glace, de celui de la hachette. Voilà, c'est super intéressant. Il faut juste attendre cette animation-là, quoi. Voilà. Faut attendre que le personnage fasse glou 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 et vous retirez justement l'animation de l'immobilisation. Donc c'est surtout intéressant pour tout ce qui est VG et voilà, surtout VG et le root de la hachette. Et donc voilà, on a terminé pour les bijoux. Maintenant on va pouvoir passer aux consommables que je vais expliquer rapidement. Repas copieux, potion de santé obligatoire, régénération imprégnée obligatoire, pour vous expliquer un peu combien de fois ça m'arrive de faire en combat. Genre je fais potion de régénération, bombe, j'utilise le bombe pour maximiser ma résistance. Donc là je suis boosté, je suis en plein berserk. Je mets mon berserk, et là je fais roulade coucou, roulade coucou, roulade coucou, enfin voilà, j'enchaîne. Quand je suis en mode double buff, tout est nickel, j'ai mon berserk sur la gueule, j'ai un heal de malade mental, en plus de ça je suis ultra tanky, là je suis en mode fou furieux. Pendant 15 secondes je vais déchirer des têtes, donc je vous conseille vraiment de faire ce combo, c'est deux combos quand vous êtes en plein fight, et c'est pour ça qu'en général en plein fight des fois les gens ils sont en mode, putain mec t'es en léger, t'es super résistant, etc. Ah ouais frérot, je suis résistant parce que je viens de cumuler plein de buffs en même temps, et que là vous êtes autour de moi, mais moi je vous défonce parce que je suis full buff, c'est incroyable. Donc le bomb, j'ai bien précisé. Vous pouvez aussi bien jouer avec la poussière de pierre précieuse, particulièrement si vous avez des gros problèmes avec les joueurs bâton de feu et gantelet de glace, c'est vraiment un bon counter à ces deux armes là. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs physiques actuellement dans la méta que de joueurs mana. Enfin ça dépend vraiment en fait des games, ça dépend vraiment des déferlantes et de l'opener, ça dépend vraiment. Ensuite je vous invite aussi à utiliser les encens qui vont juste réduire la durée et l'efficacité des affaiblissements sur vous. Ça peut toujours être intéressant, je vous invite à l'utiliser. C'est secondaire, mais ça reste intéressant. Moi, je l'utilise et je sens quand même la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Donc, c'est à vous de voir. Donc maintenant, je vais passer au niveau des caractéristiques et ensuite, je passerai au niveau des compétences, donc du leveling de la hachette et de la lance, et je vous expliquerai 2-3 trucs pour vous compreniez, puissiez comprendre le build. Donc, ce que vous allez vouloir faire lorsque vous allez vouloir level up votre personnage, partez du principe que vous avez 5 sur tous les attributs. Là, on voit rien. Là, on est à 5 partout. Ce que vous allez vouloir faire en priorité, c'est mettre 50 en force. Ce premier passif, il est ultra intéressant. Vous voulez aller le chercher. Vous prenez 50 en force. Ensuite, vous prenez dextérité, vous le montez jusque 150. Et seulement là, vous mettez 100 en force. Vous prenez le 50 de forme, tranquillement. Vous montez votre dextérité jusque 250, voire 200. Vous montez votre forme jusque 150. Ce passif-là, on s'en bat un peu les steaks. Vous pouvez faire cette variante de build avec une armure moyenne si vous le souhaitez. Ça serait passable. Vous aurez moins de mobilité. Mais l'armure moyenne reste très intéressante. Après, l'armure moyenne, moi, je pense qu'elle est surtout opti lorsque vous jouez avec une rapière. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, vous faites 250. Et ensuite, vous finissez en 150 pour aller chercher la réduction de dégâts critiques. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais pour l'instant, actuellement, beaucoup de joueurs font beaucoup de coups critiques. Je l'ai expliqué au début du jeu, au début de la vidéo plutôt. Et donc, aller chercher les résistances critiques, c'est actuellement extrêmement intéressant. Je veux dire, il n'y a rien de plus intéressant qu'aller chercher ces passifs-là. Et vous pensez que c'est juste de la réduction de dégâts critiques, mais c'est quasiment genre de la réduction de dégâts purs, en fait. Il y a tellement de joueurs qui tapent avec des coups critiques. Je pense qu'il doit y avoir un bug au niveau des critiques. Les gens font plus de critiques que prévu, qu'aller chercher de la résistance comme ça, c'est... Vous sentez directement la différence. Donc voilà, nous avons ça pour ces passifs. Il faut bien que les points clés pour ce build sera le 50 qui est ici, le 250 qui est ici. Les autres sont secondaires. C'est du DPS en plus, mais ça reste quand même assez secondaire, ce fameux 10% et 10% là. Et le troisième point clé sera ici.
Encore une fois, si vous voulez optimiser votre build, si vous voulez changer, faire une autre spé, vous pouvez très bien faire le 300 ici, 150 dextérité et 50 de forme. Là, vous aurez beaucoup moins de survivabilité, mais vous taperez très très fort. Et justement, c'est la raison pour laquelle je vous disais que double ponction pourrait être super intéressant si vous faites un build où vous tapez très fort. La base même de ce build est de faire le fameux full buff, faire light attack, esquive, light attack, light attack, esquive, light attack, light attack, esquive. Et donc la lance sera surtout là quand vous n'aurez pas la rage sur votre hachette pour cesser les joueurs, ou lorsque vous avez une rage prête avant de passer sur le full mode résistance, vous faites genre, vous enchaînez tous vos CC, vous mettez tout le monde par terre, vous changez, vous passez sur votre hachette, vous activez tout, et là vous savatez les joueurs. D'autant plus intéressant si vous débuffez les mecs avec l'embrochement. Donc c'est parti, on va parler des compétences, on va commencer directement par la hachette. Je vais vous montrer le leveling pour mon build. C'est parti, vous voulez faire exactement ce que je vais faire. Vous faites tac, 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 vous mettez le point là, vous mettez ici jusque là. Ensuite, vous prenez le point qui est là. Vous prenez celui-ci. Ensuite, vous désapprenez tour enragé. Vous allez mettre... Alors, donc, vous mettez attaque renforcée. Vous prenez ce point-là. Vous désapprenez tour enragé. Vous prenez le lancer déchirant qui est juste ici. Vous montez ici, ici. Vous prenez exploitation le plus rapidement possible. Vous prenez celui-ci, celui-ci. Ça, ça, confirmé. Voilà, c'est ce que vous voulez pour un build hachette. Et n'oubliez pas, mettez point attaque renforcée avant de désapprendre tour enragé, pour justement pouvoir garder le refus de la mort. Voilà, donc là on est nickel pour ce build. Lancer déchirant, c'est littéralement le meilleur sort du jeu au niveau de la hachette. Plein de joueurs jouent avec le tour enragé. Pour moi, je le trouve claqué au sol, le tour enragé, contre un bon joueur. Dès que vous allez faire le tac tac tac, les gens vont se casser. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est un bon sort quand vous êtes contre des mauvais joueurs. Donc pour farmer des joueurs en 1v x potentiellement. Donc alors moi j'aime bien ce combo puisque je fais en général, je fais... alors je vais vous montrer un peu ce que je fais ruée, paf, paf, je fais tac, tac, voilà. Et en fait ça vient casser le combo des light attack en fait. Quand vous faites une light attack et vous faites directement lancer déchirant, en fait vous cassez le combo de la light attack et ça vous permet d'aller plus vite que mettre un coup et un deuxième coup en fait. Ça fait coup, lancer d'hachette. En fait vous allez taper plus vite. Ça m'arrive des fois de finir des joueurs à quelques millisecondes près parce que le lancer déchirant se lance plus rapidement que la deuxième attaque. Et ce qui est très fort, c'est de faire tac, lancer déchirant et faire tac, tac. En gros, le lancer déchirant vient compenser, vient rajouter plus de rapidité au niveau de votre DPS. Et ça, c'est super intéressant. En plus de mettre un debuff d'armure qui est très très intéressant. Alors, maintenant on va passer à la lance, c'est parti. Donc la lance, vous avez pas mal de possibilités. Le seul sort que je vous déconseille vraiment, c'est le cyclone. Le cyclone n'est pas assez viable. Il y aura plein de moments où vous allez tomber sur des joueurs qui vont avoir l'immunisation justement au CC, là, comment on appelle ça, le courage. Et combien de fois ça va arriver de faire des cyclones, au final de ne repousser que les mecs qui sont pas sous courage, mais la plupart des joueurs au corps à corps joue au courage actuellement, donc le courage ne pourra pas empêcher le repoussement, donc cyclone est complètement inutile, surtout un ralentissement de 3 secondes, enfin voilà, cyclone claqué au sol, ne jouez jamais avec ce sort, mais sinon en dehors de cyclone, tous les autres sorts sont vraiment intéressants. Je vais montrer le build que moi je vous conseille personnellement, et ensuite je vous expliquerai quelques variantes, c'est parti. Donc premier build solide que je conseille à tout le monde, c'est celui-ci, ensuite une fois que vous prenez celui-ci, vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez faire ça, alors attendez. Donc, on va recommencer. Vous faites ça, ça, vous mettez la compétence là, vous passez celui-ci, vous prenez celui-ci. Voilà, vous avez déjà vos compétences de base. Ensuite, vous voulez chercher le truc qui est juste ici pour le debuff. Vous prenez celui-ci, celui-ci pour aller chercher le renforcement, surtout si vous voulez farmer au début en PvE ou quand vous tombez sur des ennemis pour taper beaucoup plus fort. Vous prenez le balayage obstiné, vous prenez l'augmentation de la dot, vous prenez ce passif qui est complètement insane. Ensuite, vous prenez ce passif ici et dès que possible, vous allez chercher ce truc-là. Paf, voilà. Et ensuite, vous finissez par ça, vous prenez celui-ci. Et ici, est-ce que j'oublie quelque chose? Voilà, vous prenez les dégâts force impitoyable au niveau du truc par terre. Donc voilà, là, vous avez le build que je jouais beaucoup pendant un moment, mais qui m'a un peu cassé les couilles parce que le saut, il commençait à me saouler, en fait. Le saut, je le plaçais une fois sur deux et je trouvais ça trop chiant. Donc, vous allez vouloir l'oublier, tout simplement, pour passer sur un build que je teste en ce moment. Et en plus, maintenant, je joue en rapière à la place de la hachette, mais j'expérimente quand même pas mal à droite à gauche. Je vous conseille de faire ce build à la place pour être beaucoup plus agressif. Ça sera le build suivant. Vous ferez paf,
paf, voilà, vous serez sur ces trois sorts là. Vous allez faire exactement la même chose, vous faites le debuff juste ici, voilà, vous prenez le debuff dès que possible ici, vous prenez le truc ici, paf, paf, vous augmentez votre DPS, vous finissez ici, vous prenez les debuffs qui sont juste ici, tac, nickel, paf, vous prenez celui-ci, celui-ci, et là il nous manque, donc normalement on a de la place pour, ouais voilà, le saignement qui est juste ici, voilà. Donc voilà, vous avez votre build parfait pour le truc, pour ce setup très agressif. C'est à vous de voir si vous préférez avec le stun ou sans le stun. Personnellement, je vais pas vous cacher que je suis tombé en love de perforation. Je suis tombé en love de perforation pour son debuff un mur de 30%, qui est complètement incroyable. Et en plus de la perc là, qui est juste ici, qui augmente votre résistance de 30%, rien que ça. Voilà, on crache pas sur 30% de résistance, surtout en 1vx. Et finalement, j'en ai pas vraiment parlé, mais je trouve ça intéressant d'en parler maintenant. Le Full Onyx, c'est la méta dont beaucoup de gens parlaient précédemment. Et moi, je suis de moins en moins fan de la méta Full Onyx. Pourquoi ? Puisque quand vous êtes en OPR, il y aura beaucoup de joueurs qui vont jouer avec des dégâts des stocks et des dégâts magiques. Donc, on est à une époque où la plupart des joueurs joueront lance, arc, mousquet, rapière, hachette, et puis bouclier quand même plus rare. Marteau, quand même. En fait, marteau, c'est les gros bourrins qui sont en plein milieu du flag. Est-ce que vous voulez fighter des mecs en marteau en plein milieu du flag? Est-ce que vous avez vraiment que ça qu'à foutre que d'aller sur le flag? En général, si vous voulez jouer mon build, c'est principalement pour aller vous taper des 1vx, des 2vx. Enfin, vous allez chercher le beau jeu ou vous faites des choses intéressantes. Fighter des mecs en marteau. Enfin, je veux dire, les mecs en marteau, vous les esquivez facilement, quoi. Ah tiens, je te fais un stun, esquive. Oh tiens, un coup lourd, esquive. Enfin, je veux dire, moi j'esquive tous les coups en général des joueurs marteaux. Donc les joueurs marteaux ne sont vraiment pas un problème en PVP. Le seul moment où ça sera relou à un joueur marteau, c'est quand vous le voyez pas venir. Mais bon, les mecs avec leurs gros marteaux, vous les voyez arriver toujours. Donc voilà, les mecs en marteau, c'est pas un problème. Donc où est-ce que je vais en venir en disant ça? Je vais en venir qu'actuellement, l'Onyx vous donne 2,5% de résistance aux dégâts de taille, frappe, et aux dégâts des stocks. Le problème, c'est que les dégâts de frappe, ça ne concerne uniquement que les dégâts de marteau. Et comme je viens de dire juste avant, les joueurs marteau, on s'en tape. Donc, j'ai conclu récemment que mettre une gemme d'émeraude qui vous donne uniquement des résistances des stocks et mettre une gemme de taille qui vous donne uniquement des dégâts de taille va vous faire gagner, si je me trompe pas, 1,3% de résistance en plus sur les deux trucs différents. Donc, vous allez perdre 5% de résistance au niveau du dégât de taille, mais vous allez gagner 1,3% de résistance pour les dégâts de la hachette et les dégâts de la rapière, mousquet et compagnie. Alors, c'est pas grand-chose pour la part des joueurs, et moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Par contre, pour éviter non plus de se faire one-shot par les joueurs marteaux, vous allez quand même faire ça une fois ou deux. Donc, ce que vous voulez, c'est mettre peut-être deux émeraudes, deux pierres de lune, et à côté de ça, vous foutez full onyx. Vous pouvez très bien le faire. Après, moi, je vous invite aussi à mettre des diamants, puisqu'actuellement la méta est quand même assez dangereuse au niveau des gantelets de glace, des gantelets de vide, etc. Donc vous pouvez mettre aussi des diamants. C'est très intéressant les diamants, je pense même que c'est plus intéressant que ça. Ça a toujours été très intéressant, c'est juste que les gens à un moment s'étaient désintéressés des magiciens parce qu'ils disaient que c'était de la merde, alors que bon, on est tous d'accord pour dire, et puis dites-le moi en commentaire, on est tous d'accord pour dire à quel point les magiciens actuellement, ils ont jamais été aussi bien, voilà, qu'on n'abuse pas les choses. C'est pas pour rien que tout le monde se plaint du gantelet de glace sur les forums et partout sur le monde de New World. Donc, dans le meilleur des mondes, les frérots, vous voudrez faire deux pierres de lune, une pierre de lune, deux émeraudes ou une émeraude, c'est vous qui voyez, et ensuite vous faites full diamant si vous le pouvez. Là, actuellement, j'ai des onyx, c'est bien l'onyx, c'est cool, mais je vous invite quand même à faire full diamant pour éviter de vous faire découper par les magiciens, puisque oui, les magiciens me pètent les couilles. Donc, les frérots, je vous invite vraiment à mettre des diamants si vous le pouvez. Et finalement, pour la hachette et la lance, vous pouvez très bien mettre sur la lance l'émeraude reste très intéressant, mais moi je vous conseille quand même de mettre l'opale sur les deux armes. Dites-vous bien que si vous avez vigueur en plus sur votre bijou, ça sera d'autant plus intéressant d'avoir l'opale. Voilà, puisque forcément qui dit plus de pool de stamina, dit que votre régénération va être plus longue. Donc, qui dit que bah il y aura plus de moments où elle sera vide. Ça sera que 10% plus longtemps vide, mais ça sera quand même plus longtemps vide. Donc ça peut être quand même un petit peu plus intéressant d'être en full opale quand vous avez plus de stamina. Donc voilà, c'est vous qui voyez au niveau des gemmes. Moi, je vous conseille opale, c'est une valeur sûre, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport à ce build en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'adore expliquer les choses de build PVP par rapport à New World. Ce jeu est juste trop ouf, trop intéressant. Donc c'est toujours un grand plaisir de répondre à toutes ces questions en commentaire.
Finalement, si vous voulez me soutenir les frérots, mettez-moi un gros like en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, ça pourra me soutenir énormément. Et surtout, vous ne louperez pas les vidéos que je sors quasiment un jour sur deux sur ma chaîne PVP. Surtout, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo où je casse du gros crâne. Rendez-vous dessus tout de suite, un maximum de fun normalement. Et surtout, comme à chaque fin de vidéo, je vous fais des gros bisous de guerriers.